rêve encore souvent de ma mère. En fait, c'est notre mariage. Je suis marié avec ma mère. Je parie que c'est pas quelque chose que vous entendez tous les jours. Poursuivez. Et là, ma mère décide de s'enfuir et de pas m'épouser. Ma propre mère me plante le jour de mon mariage. Elle m'abandonne encore une fois. Elliot, attends. Pose cette arme. Je sais ce que vous avez fait. Je sais ce que vous allez faire. Franchement, c'est une de nos meilleures machines. Ouais, je sais pas. Elle est très chère quand même. Hein. Oui, mais c'est encore une fois un modèle d'exception. Elle a été élue 2 fois machine de l'année. La même année. Et le tambour, quelle capacité ? Le tambour, c'est... non, ça non plus. Le tambour, c'est carrément... sur 63 litres. Avec une vitesse de 1600 tours minute en mode essorage. Ah ouais, quand même ? Ouais, ouais, bah c'est un monstre. Hein. Vous lui collez un volant, vous pouvez rejoindre Saint-Tropez en 5 heures. S'il n'y a pas trop de bouchons. Ouais, Saint-Tropez parce que... Elliot, tu peux aller au frigo ? Il y a du monde. En tout cas, vous pouvez faire confiance à ce type de yes. Du coup, le mode anti-allergie... Et les glaçons, ils sont comment ? Ils sont bien froids. En parlant de glaçons, vous avez un super congélo avec une circulation du froid ventilée, une capacité de près de 94 litres. Ce qui en fait un des plus larges du marché. La porte n'est pas aimantée. Pardon ? Le plus important quand on achète un frigo, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un bon bac à légumes et une porte pas trop facile à ouvrir pour éviter de trop grossir ? Non. Le plus important, c'est de pouvoir mettre des aimants sur la porte. Sinon, vos magnettes, vous les mettez où ? Où ? Hein ? Sur le four ? Sur la plaque de cuisson. Il y a 3 ans, j'ai acheté un frigo sans vérifier. La porte n'était pas aimantée, j'ai failli devenir fou. Fou ? Je vous dis simplement que là, vous êtes sur un super frigo et que peut-être que, dans ce cas précis, les aimants, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important, c'est ça que t'as dit. C'est ça qu'il a dit, c'est ça que t'as dit, c'est pas le plus important, c'est ça que t'as dit. C'est pas le plus important. Non mais attends, ils étaient prêts à m'agresser pour des magnets. C'est des malades. Ah non, non, c'est pas des malades. C'est des clients. Et le client a... toujours raison. Ouais, exactement. C'est que la meuf de la machine à laver, elle m'a donné son numéro. Je vais la faire tourner à 1600 tours minute. Ah ! T'as compris ? Ouais, j'ai compris, ouais. Mais pourquoi tu te marres pas, alors ? Si, je me marre, mais à l'intérieur. Ah ouais ? À l'intérieur, j'entends pas. Lâche le diaphragme. Ah ! Ah ! Ah ! Arrête. Tu sais, Fred, le mois dernier, on avait parlé d'une prime. Ah non, on n'avait pas parlé d'une prime. Tu avais parlé d'une prime. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et pourquoi j'ai raison ? Parce que t'es le boss. En fait, le client, le boss, tout le monde a raison. Tout le monde, sauf toi, par exemple, quand tu crois que tu vas obtenir une prime sans avoir fait une seule vente ce mois-ci. Tu n'as pas raison, d'accord ? D'accord. Pardon ? Non, rien, c'est un délire que j'ai avec ma sœur. En fait, quand on était petits, on était super fans de Star Wars. Et du coup, à chaque fois, au lieu de dire d'accord, on dit Dagvador. Elle est super, ton histoire. Allez, va vendre un truc. Un grille-pain, une bouilloire, n'importe quoi. Vends un truc. Tu veux finir par t'inscrire ? Bah non, mais si je voulais, j'y serais. C'est juste que j'ai pas le temps. Je suis trop occupée à vendre des télés. Ce que tu fais très bien, d'ailleurs. Ils font quoi ? Un pot de départ pour Benoît. Ah, il s'en va ? Ben non, il s'est fait virer. Ah merde. On donne ce qu'on peut. Ah ouais. J'ai pas prévu. Waouh. T'économises pour m'acheter une bague ? Non, tu sais bien, on avait dit qu'on attendait un peu pour le mariage parce que... Ça va, je plaisante.
En plus, c'est pas le moment de faire des folies. J'ai entendu dire qu'ils allaient faire un grand ménage. Ils vont nous virer un par un et garder que les meilleurs. Ah merde. Prépare ton sac. Très sympa comme encouragement. Bon allez, je vais y aller. Tu fais quoi ce soir? Bah, chorale, comme toutes les semaines. Mais on va boire un verre après, tu viens? Ouais. Non, ce soir je peux pas, tu sais. Je dois voir Olivia pour... Manger des pâtes. T'inquiète, embrasse-la. Je termine mes contrastes et j'y vais. Ok. Bisous. À demain. Bon bah, salut tout le monde, à demain. Yes. Après, tu vois, moi j'ai un plan, j'ai gagné 350 euros sans rien faire. Sérieux? Qui m'a parlé de ce site spécialisé en data. En fait, il rachète tes anciennes adresses mail. Et comment ça marche? Bah regarde, tu vas sur le site Vetan. C'est comme une messagerie en fait. C'était quoi ta première adresse mail? Freddy2DY. Ouais. 54@aol.fr. Ok. Votre adresse est disponible et elle nous intéresse. Nous vous proposons 200 euros pour l'acquérir. Bah, tu vois? Bah vas-y, dis oui. Vas-y. Alex, tu vas en faire. Calmez-vous, les gars. Eh, ça marche pas à chaque fois non plus. Ciao, les gars. À demain. Virement. Salut, Benoît. Ah, ça te ferait une petite. Tu vois? Il est nouveau ce casque? C'est celui de ta sœur. Et toi ton prénom c'est celui de ta sœur? Eh oh, on a dit pas de vanne sur mon prénom. Mec, tu peux pas t'appeler Camille et interdire les blagues sur ton prénom. Arrête de me chauffer, viens on va ouvrir des colis. Non je peux pas aujourd'hui, je dois écrire un mail de motivation pour le boulot sinon je vais me faire virer. Et donc? Franchement les colis abandonnés, c'est comme une boîte de chocolat. Tu sais jamais sur laquelle tu vas tomber. Eh, hey, colis romantique, regarde. Wow! Des grosses gougouttes. Trop bien. Mais qu'est-ce qu'on a là? Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, on pourrait le découvrir ensemble. Elliot, ici Camille, vous me recevez? Chut, à vous. Hey mec, t'es où là? Non, je réfléchissais, je me disais si je perds ce job, je vais devenir quoi moi? Franchement, ce serait une chance si tu perds des staffs tout pourris. Tu vends des frigos mec. Je vends pas que des frigos, c'est quand même une boutique high-tech de ouf avec... Ok, je vends des frigos. Mais quand même, j'en ai besoin de ce job. Si t'es viré, tu pourras vraiment te concentrer sur ce que tu veux vraiment faire dans ta life. Je sais même pas ce que je veux vraiment faire. Enfin si, je veux épouser Emily, fonder une famille avec elle et peut-être avec un peu de chance devenir responsable du magasin. Attends, c'est ça tes rêves? Toi, ton ambition ultime, c'est de vendre des grille-pains toute ta vie. Prends exemple sur moi. Moi, tu crois que j'ai livré des colis pendant 1000 ans? Non, monsieur. Non, moi, j'ai un but. Je vais devenir pilote de course. Mec, t'as eu ton permis en 5 fois. Bah justement, c'est comme si j'étais en 5e année de conduite, et quand tu dis ça en médecine, ça pète la classe. Ouais, sauf qu'en médecine, en 5e année, tu sais ouvrir un gars. Toi, tu sais même pas faire un créneau. Qu'est-ce qu'on s'en fout de faire un créneau pendant une course? En plus, moi, je suis trop rapide pour conduire en ville. J'ai le mental du guépard. Et toi aussi, tu devrais choper le mental du guépard. T'es pas un guépard, mec. Si, je suis un guépard. T'es une chèvre. Bon, une allez. Belle chèvre, une jolie chèvre. Une chèvre sympa, une chèvre... Bon, en vrai, ça sort de ma part. Et dis-lui, j'ai plein de nouveaux jouets. On avait dit pas les sœurs. Ouais. C'est la règle. Pas les sœurs. Bon. Glou, 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 glou. Glou. Rentre bien. Merci, frérot. Olivia, t'as laissé tes clés sur la porte, tu peux m'ouvrir s'il te plaît? C'est qui? Comment ça c'est qui? C'est moi. Bah c'est qui moi? Bah c'est moi, c'est Elliot, c'est ton frère, vas-y ouvre s'il te plaît, j'ai envie de pisser. Et comment je sais que t'es vraiment mon frère? Ça se trouve t'es un cambrioleur qui mit sa voix hein. Mais quel rapport un cambrioleur, Olivia? Y'a rien à cambrioler dans cet appartement. Prouve-moi que t'es vraiment Elliot et fais un truc qu'il est le seul à savoir faire. Non, non, je te jure non, s'il te plaît. Pas ce soir, je suis crevé, j'ai envie de pisser, s'il te plaît. C'est nul! C'est vraiment nul! Bah c'est nul, je fais de mon mieux! C'est une mauvaise ouais! Voilà, c'est mieux! Allez! Ouais! Bonsoir, Madame Rioux! Bonsoir, Madame Rioux. Franchement, t'es relou! T'es relou, franchement! Je sais même pas comment tu vois dans l'œillet! J'ai mes stratagèmes, hein, qu'est-ce que tu crois? Tu veux quoi dans les pâtes? Des pâtes? Oh non, viens, on commande. Bah, c'est trop dommage, j'ai fait des pâtes. On a plus d'argent, c'est ça?
Mais si, je regarde. Tout est sous contrôle. Under control, comme disaient les mecs qui bossent à Wall Street. Ah ouais? On a reçu ça. On a 2 mois de loyer de retard. Comme ils disent, les mecs qui payent pas leur loyer, tu m'expliques? Bah je comprends pas. J'ai envoyé le chèque et ils ont dû le perdre. De toute façon, il est géré n'importe comment cet immeuble. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Ça fait des mois qu'on a des coupures d'électricité. Que fait le syndic? Rien du tout. Elliot, je t'ai donné ma part du loyer. Je sais, mais j'avais des trucs à régler. Ouais, genre quoi? Genre l'eau, l'électricité, parce que ça non plus, ça n'a pas été payé. Quoi? L'eau, c'est payant? Première nouvelle, personne n'était au courant. Dès demain, j'arrête de me laver. Tu fais quoi de l'argent que je te file? Bah, je... Bon, t'inquiète, Olivia. Je gère. C'est quand tu dis t'inquiète que je commence à m'inquiéter, moi. À partir de maintenant, c'est moi qui paye tous les loyers. D'accord? Dag? Dag, j'adore. Et pour ce soir au menu, pasta all'olivio di romarini. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire pâte à l'huile d'olive. De toute façon, il n'y a que ça. Waouh. Je t'aurais peut-être lâché l'assaut. Bah pourquoi? Bah si, trouver un job mieux payé, on s'en sort plus là. Bon, c'est quoi, t'as peut-être raison. Dans ce cas-là, je vais t'aider à trouver un job. Mais attention, un job où tu restes assise. Il est hors de question que tu passes tes journées debout. Tu sais, je repensais à ton accident. Oh non, merde, Elliot, on va pas parler de ça maintenant, là. Non, mais c'est juste que... Mais non, c'est juste que rien. Ça fait 20 ans. Fin de l'histoire. D'accord? Et tu sais quoi? Emily. Quoi, Emily? T'as pas envie de t'installer avec elle? Si, si, bah carrément, j'en ai grave envie, mais c'est juste pas tout de suite, quoi. Mais franchement, Elliot, bouge-toi! Arrête de te sentir obligé de t'occuper de moi. Moi, j'ai besoin de personne, ok? Ok? Ouais, c'est quoi cette tête, là? J'ai besoin de personne, moi. Ok, bon allez, lettre de motivation. Je suis motivé parce que j'ai besoin de ce travail. C'est nul. C'est quoi le site déjà? C'est quoi mon adresse mail? Elliot mega cool at caramel.fr. Elliot mega cool, ça vaut bien 500 euros, non? C'est bon, je vais vous la payer, votre facture. Pas besoin de couper l'électricité et de m'envoyer un coup de jus en plus. Qu'est-ce que c'est ça encore? Bien, c'est un échec. Vous êtes qui? Moi aussi, je suis Elliot. Je voudrais vous vendre cette adresse mail pour 400 euros. Quoi? Ça fait combien en francs? Pourquoi? Parce que c'est mon adresse mail. Et que je veux vous la vendre.
Non, c'est mon adresse. Je l'ai créée quand j'avais 11 ans. Comme par hasard, le seul qui se fait arnaquer sur ce site, c'est moi. Bon. Sinon, je vous colle un procès. Quoi ? Ok, ok, on a sûrement la même adresse. Maintenant, faut arrêter de m'écrire, d'accord ? C'est quoi ces conneries? C'est une blague. Vous vous foutez de ma gueule avec Kamel. Vous êtes grillés les mecs. Non, attends, attends, attends. Attends. C'est quoi ce délire? J'ai faim. Mais fais-toi manger. Je préfère quand c'est toi qui fais. Attends, je comprends rien à ton histoire, là. T'envoies un mail à ton ancienne adresse, c'est ça? Ouais. Elliot@caramel.fr. Je l'avais oublié, celle-là. Eh, hey, mais c'est quand même fou, parce que petit, t'étais déjà ringard, quoi. Oui, sauf que là, il y a un gamin de 11 ans qui me répond. Attends, tu corresponds la nuit avec un gamin de 11 ans? Tu sais que c'est très chelou et que potentiellement, c'est puni par la loi, hein. Olivia, tu m'écoutes pas. Le gamin me répond « Dak Vador ». Ok, et donc? Comment ça, et donc? Ça te paraît pas bizarre? Bah si, je trouve ça très chelou que tu parles la nuit avec un gamin de 11 ans. Hein. Tu dors bien, toi, en ce moment? Ah ouais? Parce que franchement, il y a pas grand-chose de plus puissant que ça. Hein. C'est toujours... À part tellement, il y a plein d'accessoires qui sont dedans, donc je pense que je vous laisse réfléchir là. Ça va, Kamel? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais ton site qui rachète les anciennes adresses mail là? Ouais, sérieux, vous commencez tous à me saouler avec ça. J'aurais jamais dû vous en parler en vrai. Non, je veux dire, quand tu l'as fait, toi, il t'a rien arrivé d'un peu étrange? Si. J'ai pris 350 balles. Non, mais je veux dire, à part ça, t'as pas reçu des messages un peu chelous? Tu veux vendre ton ancienne adresse mail, toi? Ouais, ouais, éventuellement. Mais ça m'étonnerait qu'il rachète tête-de-zob@sonadou.fr. Hein. très bonne blague. Très bonne vanne, Kamel. Voilà, je vous mets le petit ticket dans le sac. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je voudrais ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? C'est un appareil pour dicter les mails. C'est pas donné, hein? Ah, mais j'ai mes 30% de réduc. Ah, mais quand même, ça reste hyper cher. Puis je peux pas te le vendre. Pourquoi? Il est endommagé. C'est invendable. Oui, c'est vrai, j'avais pas vu. Bah, prends-le. Je vais pas le remettre en rien. Oui, bah merci. Et sinon, vous faites aussi le service après-vente à domicile, par exemple? En déplacement, je veux dire, le dimanche, par exemple, pour le brunch. Ouais, ça peut s'envisager. Cool. Bon,
Viens voir. N'importe quoi, j'ai même pas reçu. Ok, me porte. C'est abusé. Ça va les gars. Bon. Là, on est en train de s'organiser pour lancer une grève. Faut qu'on se batte pour nos emplois. Ouais. Hier, c'était moi. Et demain, c'est vous, les mecs. Ils veulent délocaliser et vont fermer tous les magasins. Non, mais carrément, on va se battre. Hein. On va rien lâcher jusqu'au bout. Écoute, s'il faut, demain, on débarque au siège en pleine réunion. Et on séquestre tous les actionnaires pour les obliger à nous écouter. Ah ouais, séquestration, carrément. T'es d'accord avec ça, toi, Alexandre? Bah oui, il est d'accord, Alexandre. Ok, ok, non, c'est juste que moi, au niveau séquestration, je suis pas sûr d'être d'une grande utilité, quoi. Bon, en revanche, pour tout ce qui est affiche, banderole, slogan, je vous en avais jamais parlé par pudeur, mais moi, au lycée, j'étais super fort en art plastique. Dégage. Yes. Reste tombé. Non, mais ça va être abusé. Salut Elliot, c'est Elliot. Est-ce qu'on peut se parler, enfin se mailer? Ah ouais, c'est super précis, putain. Merde. Ok, t'habites à Paris? Moi aussi. Et c'est quoi ton nom? Oui, j'avais compris. Je parlais plutôt de ton nom de famille. Tu fais quoi, là? Bah, je parle avec Elia, tu sais, le gamin de 11 ans dont je t'ai parlé. Mais t'es malade, hein? Ses parents, ils vont appeler les flics. Ce qui est malade, c'est ça, regarde. Tu peux me redire ton nom de famille, s'il te plaît? Ouais, Martin. C'est pas fou? Bah non, Martin, il y en a plein. Non mais attends, il y en a plein des Elliot Martin, 11 ans, même adresse mail que moi, quand j'avais 11 ans? Ok. C'est quoi le nom de ton père? Ouais. Et celui de ta mère? Non mais sans déconner, t'en connais beaucoup des Sophia Martin? Ouais, j'en connais une qui habite pas très loin d'ici et que son fils va jamais voir. J'ai parlé à maman, on ira la voir le week-end prochain. Ah non mais attends, mais tu sais que si papa il apprend qu'on va la voir en premier, il va péter un câble, hein? Eh ben ok, on ira voir papa après, c'est pas le problème là. Olivia, tu réalises que ça fait quand même beaucoup de coïncidences, non? Mais Elliot, c'est des conneries, c'est des arnaques sur internet, ça. Ils prennent des infos sur toi et ils s'en servent pour te vendre des trucs, c'est tout. Ouais, sauf que là, en l'occurrence, il a rien essayé de me vendre. Et de toute façon, moi, j'achète rien, ni sur internet, ni rien, j'achète jamais rien. Ah ouais, et c'est quoi le truc que t'as dans l'oreille, là? Franchement, Elliot, tu pourrais pas payer le loyer plutôt que d'acheter des conneries comme ça? Non, mais ça, ça n'a rien à voir, en plus, j'ai même pas acheté, ça, c'est... Non, mais c'est quoi, j'avais besoin de toi, moi, à la base, pour m'aider à faire ma valise, mais bon. T'es trop occupé, visiblement. Olivia, t'es obligée de passer la nuit là-bas, là? Oui, je suis obligée de passer la nuit là-bas, c'est mon taf. Olivia, Olivia. Tu vois, je t'avais dit, ils sont perdus sans moi. Salut, ça va? Salut Robin, ça va? Ouais. Salut. Bon, tu te changes les idées quand je suis pas là? Tu t'envoies en l'air avec Émilie? C'est de quoi s'envoyer en l'air? Bah, tu sais, ça veut dire... Bah, ça veut dire, par exemple, quand tu fais un saut en parachute, tu sautes un peu dans les airs, quoi. Non. 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 Sûr que non, ça veut pas dire ça. Eh ben, tu sautes bien en parachute avec Émilie? C'est ça. Oui, allez. Dac. Dac Vador. Bisous, ma soeur. Bisous, mon frère. Elliot, t'es là? Mec, faut que je te raconte une histoire de ouf. Qu'est-ce que tu fais? Camille, je peux pas là. Mais mec, tu vas halluciner, je suis en train de faire du vélo. Et tu sais que quand il fait chaud, j'aime pas mettre de slip parce que ça me fait une trace de transpiration au niveau Camille, des fesses. Camille, sérieux, Camille, je peux pas là. Mais qu'est-ce que tu fais? Je dois rédiger ma lettre de motivation et je t'avoue que je suis pas du tout motivé. Donc je t'appelle tout à l'heure, d'accord? Ok. Mais si tu veux, je peux t'aider au niveau de... Allez. T'es toujours là? Je me dis, c'est quand même fou qu'on s'appelle tous les deux Elliot Martin et qu'on ait la même adresse mail et puis les mêmes noms de parents. Je me dis que peut-être qu'on a d'autres points en commun. Par exemple, t'habites où? Non, non, pas du tout, ne t'inquiète pas. C'est juste que je vois qu'on a beaucoup de choses en commun, donc je me dis que peut-être qu'on en a d'autres. Par exemple, moi, quand j'étais petit, j'habitais rue de Bruxelles. Au 35?
train de devenir dingue. T'es chez toi, là ? Dans ta chambre ? Ok, Elliot, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Est-ce que tu peux graver avec un ciseau la date d'aujourd'hui dans le placard de ta chambre ? À droite. Tu vas voir, c'est pour un tour de magie, c'est hyper marrant. Ok, super, dis-moi quand c'est fait. Ok, excuse-moi, Elliot, je suis devenu fou, en fait. Tout ça, c'est n'importe quoi. C'est compliqué. Ok. En fait, si je sais autant de trucs sur toi, c'est parce que... Ok, tu vas clairement me prendre pour un fou, mais... Je crois que je suis toi dans 20 ans. Elliot du futur. C'est normal que tu penses ça, mais ça n'a rien à voir. En fait, qu'est-ce que je peux lui dire, moi ? Ok, sous ton lit, il y a un magazine de filles qui s'appelle Boobsy. Mais d'où il sait ça, lui ?
C'est même pas vrai. Si, c'est vrai. Même que dans la page centrale, il y a une fille qui ressemble un peu à Tata Brigitte. Du coup, maintenant, à chaque fois que tu la vois, bah, tu te sens tout bizarre. Dis-moi, Loulou. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, rien. Bon, tu peux te préparer en part chez Tata Brigitte. Je veux pas y aller. Bah pourquoi ? Tu l'adores ? Non, c'est même pas vrai. T'es tout le temps fourré dans ces jupes, arrête, chérie. Bon, allez, prépare-toi. Hein, habille-toi, 10 minutes. 10 minutes. Ok, Elliot, je vais te dire un truc que t'es pas censé découvrir avant au moins un an. Si j'ai raison, envoie-moi... Envoie-moi un message ce soir, quand tu rentres. En fait, ton père cache la PlayStation dans... Bah tu vas où, toi ? J'arrive 2 secondes. J'arrive, on part chez Tata Brigitte, je te signale. Qu'est-ce qui m'arrive ? Salut ! Ça va, tu fais une drôle de tête ? Je cherche mon blouson, on y va. Tu manges pas ? En fait, je t'ai dit que j'allais sûrement me faire refaire la poitrine ou pas? J'hésite encore entre les augmenter ou j'en mets 2 autres dans le dos, comme ça, ça m'en fait 4. Évidemment, faudra que je dorme sur le côté, mais je me dis que c'est un risque à prendre. T'en penses quoi? Ouais, grave. C'est... Bon, Elliot, si t'as pas envie d'être là, faut le dire. Non, c'est pas ça, excuse-moi. C'est juste que... En fait, depuis hier, il m'arrive un truc de dingue. Je sais pas si on me fait une mauvaise blague ou si c'est moi qui deviens fou, mais... Eh oh, ça va, c'est moi. Tu peux tout me dire? Bah oui. Même que t'es la femme de ma vie et que j'ai envie de t'épouser. Quoi? Enfin, t'es fou de me balancer ça comme ça, enfin je... J'ai été fou d'attendre. Excuse-moi, je dois répondre, c'est une urgence. C'est dingue. Si t'es vraiment moi, j'ai trop de questions à te poser. Tu sens bien, là? Ouais, enfin non, enfin si. Sa sœur, ma sœur va faire son jogging. Quoi ? Olivia, un jogging, c'est pas drôle, tu te fous de ma gueule, là ? Ma sœur, Olivia, elle a eu son accident... C'était début septembre. Oui, d'accord. Et alors, il y a 20 ans, jour pour jour, son accident n'a pas encore eu lieu, tu comprends ? Oui, ok. Et alors, je dois l'en empêcher. Putain. Je suis vraiment désolé, mais il faut que j'y aille. Enfin, t'es sérieux ? Tu vas me planter là comme ça ? Je suis désolé, ok ? Mais... Elia ! Elia ! Ça va ? Je suis désolé.
Je n'avais pas vu. Attends, tu t'es fait, ça va, monsieur? Non, ça va, ça va. Tu te sens bien, ça va? Ça va, merci. Je vais appeler le Samu. Non, 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 je te jure, tout va bien. T'as mal? Ça va? Ouais, ouais, je dois aller sauver ma sœur. Quoi, de quoi tu parles, sauver ta sœur? Ok, Émilie, je suis raide dingue de toi, d'accord? Depuis le premier jour, je sais que c'est toi. Et on va se marier et je vais tout faire pour te rendre heureuse. Mais là, maintenant, tout de suite, faut absolument que j'aille régler un truc. C'est hyper important. Mais après, rien ne nous empêchera d'être heureux, d'accord? Mais après, je vais tout faire bien, tu vas voir. Le genou à terre, la bague, la robe de mariée, l'église, la mairie, je vais rien oublier, je te jure. Faut vraiment que j'y aille, quoi. Je reviens, ok? Oh, attention, attends, attends. Oh, non, vas-y, c'est n'importe quoi. Tu m'as mais ouais, t'as rien. T'as vu, c'est tout doux. C'est trop mignon. Alors, les chevaux, on mange, non? Ah, c'est bon. On mange, on mange, hein. T'as faim, toi. Salut, Olivier, je peux te parler, s'il te plaît? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est hyper important, vraiment. Ok, bah très bien, d'accord. Tu me remplaces 2 minutes, s'il te plaît? Vas-y, ouais, super. Vas-y, tiens. Ok, donc j'ai clairement pas le choix, s'il te plaît. Bon, tu vas me dire ce qui se passe, là? Olivia, ok. Ton accident, raconte-moi exactement ce qui s'est passé, s'il te plaît. Mais t'es complètement taré, en fait. Donc tu viens jusqu'ici pour me parler de ça? C'est hyper important, je te jure. Écoute, Elliot, t'es gentil, tu rentres à la maison. C'est ni l'endroit, ni le moment, je bosse, là. Ok, c'est toi qui as raison. Tu sais quoi? Émilie va pas m'attendre toute sa vie. Faut que j'évolue, faut que je grandisse. Du coup, je lui ai dit que je voulais l'épouser. Tu sais que je déconnais quand je te disais... Mais c'est trop bien, je suis trop contente pour vous, c'est trop bien. Elle t'a dit oui quand même. Olivia, je peux plus vivre dans le flou, tu comprends? J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé pour me libérer de ce poids et pour avancer dans ma vie. S'il te plaît. C'est un accident. On était à la maison. Olivia, tu surveilleras ton frère. Hein. De toute façon, on rentre pas tard. Mais je voulais aller courir. Eh ben, t'iras plus tard. Elliot est puni. J'ai mis un code sur ton ordinateur, il bouge pas d'ici. Mais papa... Tais-toi. Je veux plus t'entendre, t'es puni. Plus d'ordi, plus de console. Oui, bon, allez, on y va. Hein. Je croyais qu'on était à la bourre, que les bourdins nous attendaient, que j'avais pas le temps de me maquiller. Bon, ça va, t'es déjà assez maquillée comme ça, là. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on va pas au bal. Hein. Ça, c'est sûr. Quoi, c'est sûr? Ça veut dire quoi? Je voudrais juste que de temps en temps, tu... Soyez sage. Olivia, t'as le code pour mon ordi? Commence pas, t'es puni, c'est tout. S'il te plaît. Non, après, c'est moi qui vais avoir des problèmes, arrête. Putain, t'es pas cool, toi. Elliot, reviens. Le quoi? Elliot, reviens. Putain, Elliot, reviens. Tu vas voir que je vais t'attraper, toi. Elliot. Elliot, viens tout de suite. Le code, passe-moi le code. Elliot. Les voisins nous ont raconté que t'étais resté plusieurs heures sans parler. En fait, tu te souvenais de rien. C'est comme si ton cerveau avait actionné un mécanisme de défense, genre, et... Bah, c'était le blackout total, quoi. Ton papa t'a raconté que j'avais eu un accident courant. Mais c'était pas de ta faute. On était des enfants. T'aurais dû me le dire. Mais à quoi bon? Ce qui est fait est fait, on peut rien y changer. Il était quelle heure? Il était quelle heure? Je sais pas, c'est quoi cette question? C'est hyper important, s'il te plaît, essaye de te rappeler, il était quelle heure? 13h, je crois. Merci. Merde, faut que j'y aille. Eh ben, de rien. Frère, ça fait une heure que je t'attends. Eh, hey, j'ai pas le temps. Grosse nouvelle. Tu te rappelles, j'avais envoyé plein d'articles au magazine Formule 1 Hebdo. Ben, ils m'ont répondu. Ils ont adoré. Bon, ils génial, ont grillé, j'ai pas ils le temps. Ils ont grillé quelques fautes d'orthographe, mais ils ont dit, ils ont kiffé mon style, top, tu crois ça? J'ai pas le temps. Ils m'ont proposé un job, un vrai job, un Camille, vrai job. Putain, j'ai pas le temps, tu comprends pas quoi, là?
téléphone, j'arrive. Allez. Ordinateur. Ordinateur. Allume-toi, allume-toi, allume-toi. Ok, Elliot, t'es là? Ok. Ok. Tu vas devoir m'écouter très attentivement, d'accord? Tu vas pas tout comprendre, il faut que tu me fasses confiance, d'accord? Ok, tu vas devoir absolument. C'est une blague. Putain, c'est une blague, me dis pas. Me dis pas que c'est. Me dis pas que c'est. Putain, mais pas maintenant! Putain, pas maintenant! Bon, idiot, tu viens ou pas avec ton père, là? J'arrive! Ok, téléphone. Téléphone, téléphone, téléphone. Putain, plus de batterie, putain, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai! Camille, attends, s'il te plaît, ton téléphone! Ah, Madame Rioux, vous allez bien? Est-ce que vous avez de la batterie pour le téléphone? Parce que tout a sauté là à l'intérieur. C'est quoi ton téléphone? Un Samsung? Un Samsung? Ouais, j'ai qu'un Samsung, moi. Ok. Allez, vas-y, pars, pars. Pars. Putain. J'espère que c'est parti. Putain! Bon, Elliot, tu viens? On part avec ton père. Oui, c'est bon! J'arrive! ?07-65? Ça veut dire quoi, ça? Bon, Elliot, va embrasser ta mère. Oui, pardon. Oui, allez, file. Eh, je vous retrouve en bas, j'ai deux mots à te dire, hein? Mmh. Mmh. Olivia, tu surveilles ton frère, on rentre pas tard. Mais je voulais aller courir. Eh ben, t'iras plus tard. Ouais, Elliot est puni, hein. J'ai mis un code sur ton ordinateur, il bouge pas d'ici. Je suis puni, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ta mère a trouvé ta PlayStation dans ta chambre. Attends, je vais t'expliquer. Non, t'as fouillé partout, tu me déçois, Elliot. Mais papa! Tais-toi, je veux plus t'entendre, t'es puni, plus d'ordi, plus de console, voilà. Bon, allez, on y va, je croyais qu'on était à la bourre, que les bourdins nous attendaient, que j'avais pas le temps de me maquiller. Ouais, ça va, t'es assez maquillée comme ça. Ça veut dire quoi, ça? Bah, ça veut dire qu'on va pas au bal, quoi. Ah bah, ça, c'est sûr. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça fait 10 ans qu'on va dans le même resto, avec les mêmes gens. Alors oui, on peut y aller en survette. Mais moi, j'ai encore envie de te plaire. Mais moi aussi, j'ai envie de te plaire. Excuse-moi de pas avoir les moyens de t'emmener sur un yacht à Monaco pour boire des cocktails avec les voisins. Je t'ai jamais demandé ça. Je voudrais juste que de temps en temps, tu... Soyez sage. Papa! T'as le code pour mon ordi? Commence pas, t'es puni, c'est tout. Et bah tu sais quoi? Pas de code, pas de Walkman. Elliot, reviens! Reviens! J'ai mis un code sur ton ordinateur, il bouge pas d'ici. 0765, le code. Ça va mieux? Fred? Oui, oui, ça va, chef. Vous m'avez fait peur. Vous êtes tombé d'un coup. Ah bon? Mais il est quelle heure, là? Bah, c'est l'heure de fêter votre nouveau succès. Vous venez, il y a tout le monde qui est là. Tout le monde? Bah oui, tout le monde. Chef, on est chez qui, là? Chez vous? Non, sérieusement, chef, on est chez qui? Arrêtez de m'appeler chef, ça me gêne pas trop. Et au fait, vous inquiétez pas, hein, je me suis bien occupé de votre hygiène, comme vous m'avez demandé. J'ai une hygiène? Bah oui. Bon, les amis,
Elliot est un peu ému. Mais bon, c'est normal, hein. On est là pour l'ouverture de son 10e magasin. Oh. Bah oui, vous êtes un patron formidable et on est tous très fiers de vous. À Elliot ! À Elliot ! Pardon. Pardon, excusez-moi, pardon. Faut qu'on parle maintenant. Ça fait 2 mois qu'on essaie d'avoir un rendez-vous et on n'a aucune réponse. Canel, c'est pas le moment. Si, c'est le moment. Il faut parler de la restructuration du personnel dans les magasins. Mais oui, ça fait déjà un trimestre qu'on essaie de vous en parler. Si décrochez un peu au téléphone, vous le saurez déjà. Vous êtes ensemble? Mais c'est une blague. Vous nous avez refusé notre jour de congé pour nos fiançailles. Ah, vous êtes pas ensemble. Igor, s'il vous plaît. Allez, on y va. Non, mais on n'a pas terminé. On y va. Allez. Elliot Martin, il faut qu'on parle. J'ai pas terminé. Je suis désolé, j'ai pas terminé. Allez, patron, c'est le patron, ça va? J'ai besoin de 2 minutes. Désolée, j'ai oublié mes clés. J'ai mis 1 heure à me garer, là, j'ai fini par mettre une place handicapée. Bon, je bois un verre, je prends une douche, je me sens dégueu, là. D'accord ? D'accord. T'arrêtes avec cette vanne, on a plus 11 ans.